J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs de débutants à éviter. C'est des erreurs que j'ai moi-même fait. Donc, si je peux vous éviter de perdre du temps, ça sera avec plaisir. Erreur numéro 1, avoir des objectifs trop élevés dans un délai trop court. Attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien de placer la barre très haute, mais il faut s'accorder le temps nécessaire. Quand j'ai débuté ma transformation, je ne vous mens pas, c'est véridique, je pensais que j'atteindrais le corps de Michelle Lewin, qui était mon objectif à l'époque, en 6 mois. Bon bah, j'y suis pas arrivée. Voilà, heureusement, ça ne m'a pas découragée, mais par le passé, je me suis souvent fixé des objectifs comme ça, impossibles à réaliser, hein. Même pour Michelle Lewin, hein, elle n'est pas arrivée à ce résultat en 6 mois en fait, hein. Donc, je me suis souvent fixé des objectifs comme ça, intenables, et bah du coup, arrivée aux 6 mois, j'étais découragée, et je me disais, bah tout ça, ça sert à rien. Mais non, en fait, ça sert pas à rien, mais il faut être réaliste, en fait. Et quand vous allez aller voir, par exemple, les comptes de vos fit girls préférées, leurs avant-après, c'est pas des transformations qui s'opèrent en 2 mois, hein. Souvent, ça prend 5 ans, voilà, ça prend beaucoup de temps, même pour l'élite des fitness girls. Donc, soyez patiente et surtout, soyez réaliste. Vous pouvez vous fixer la barre très haute, c'est très très bien, mais par contre, accordez-vous le temps nécessaire pour cela. Erreur numéro 2, ne pas avoir de plan d'entraînement. Vous avez un objectif précis dans votre tête, avoir un corps de bombe, perdre du poids, peu importe l'objectif que vous avez, que ça soit 5 kg, 10 kg, construire du muscle, il vous faut un plan. On n'a pas un objectif précis avec un plan aléatoire. Donc vraiment, si vous allez à la salle, que vous ne savez pas quoi faire, que vous faites les choses au hasard, tiens, aujourd'hui je vais faire un peu de presse, aujourd'hui je vais faire des biceps, non, je vous arrête tout de suite, vous perdez votre temps. Vraiment, si vous avez un objectif précis, faites-vous aider. Allez voir le coach à votre salle, renseignez-vous, achetez un programme designé pour vous, je dis bien designé pour vous, et appliquez-le, suivez-le, mais ne faites pas les choses de manière aléatoire, c'est une perte de temps. Erreur numéro 3, ne pas manger en fonction de votre objectif. Il y a plusieurs types d'objectifs. Que ça soit perdre du poids, prendre du muscle, vous devez manger en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez perdre du poids, vous n'allez pas manger de la même manière que la fille qui souhaite prendre du muscle. Voilà, il y a vraiment des paramètres à prendre en compte. Erreur numéro 1 quand on souhaite perdre du poids, par exemple, c'est ne pas manger assez. On pense qu'en réduisant tout, en coupant tout, plus de glucides, plus de lipides, on va perdre vite. Non, ça c'est une erreur. Vous allez juste flinguer votre métabolisme, c'est tout ce que vous allez faire. Pareil, quand on souhaite perdre du poids, on se dit « bon, bah, je mange healthy, alors je peux manger à volonté ». Non, c'est faux. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez, même si c'est des légumes, même si c'est des amandes et que c'est du bon gras, et bah, ça sera toujours plus que ce que vous dépensez et donc vous allez grossir. Donc vraiment, interrogez-vous sur vos besoins, sur les besoins caloriques dont vous avez besoin et mangez en fonction de cela. Si vous avez un objectif de construction musculaire, demandez-vous également si votre apport en protéines, si votre apport en glucides est suffisamment important pour prendre du muscle. Erreur numéro 4, n'abusez pas du cardio. N'abusez pas du cardio. Ça ne va pas vous donner le corps galbé dont vous rêvez. Non, ça va vous faire brûler des calories, ça va vous faire perdre du gras, mais ça ne vous donnera pas un corps ferme. Non, puisque en fait, ce qui va vous donner un corps ferme, c'est de construire du muscle. Donc, limitez-vous à 3 séances de cardio voilà, par semaine, à moins que vous ayez effectivement beaucoup de poids à perdre, mais vraiment gardez en tête que le cardio n'a jamais rendu personne ferme. Donc voilà, 3 séances par semaine, 45 minutes maximum, ça suffit. Parce que trop de cardio va faire que vous allez sécréter une hormone qui, en fait, va, au lieu de vous faire brûler du gras, va détruire votre muscle. En fait, vous allez consommer votre propre muscle parce que vous faites trop de cardio et c'est contre-productif. Ce qu'on pense parfois être bien, eh bien, parfois ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Erreur
numéro 5, croire aux produits miracles, à la petite pilule magique ou encore croire que les suppléments vont être la cause des résultats des fit girls par exemple. Alors non, déjà il n'y a pas de pilule qui va vous faire avoir le corps dont vous rêvez comme par magie. Les seuls miracles opèrent avec la sueur, la consistance, la bonne alimentation. Voilà, c'est là où se produit le miracle. Via mon Instagram et les discussions que je peux avoir avec certaines d'entre vous, je réalise aussi qu'il y a une idée préconçue des suppléments. Les suppléments, ça n'est pas ce qui va vous faire avoir des résultats. Les suppléments, c'est une micro-aide en plus. Quand on s'entraîne dur, qu'on a une alimentation qui est parfois en déficit, effectivement, ça peut être intéressant de prendre des compléments alimentaires. Mais non, la whey ne va pas vous donner le six-pack dont vous rêvez. Non, un burner ne va pas vous faire perdre 5 kilos en un mois. Ça, c'est n'importe quoi. Effectivement, ça peut être une petite aide, voilà. Mais ce qui donne des résultats, c'est vos efforts, l'alimentation, l'énergie, la consistance que vous mettez à faire tout ça. C'est tout. C'est tout simplement ça, le miracle. Ma dernière erreur, selon moi, c'est ne pas se reposer. Votre corps, aussi bien en termes d'entraînement qu'en termes de plaisir, a besoin de repos. Quand on débute, on est tout feu, tout flamme, on a de l'énergie à revendre et on veut s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sauf que le corps, les muscles, ont besoin de se reposer pour se reconstruire. Et si vous ne laissez aucune marge de manœuvre en termes de repos à votre corps, eh bien, il va se cannibaliser. Et en gros, vous allez dépenser les muscles que vous avez mis beaucoup d'efforts à construire dans sa récupération. Parce que voilà, le corps n'en peut plus. Pareil en termes d'alimentation. Moi, je considère important de prendre aussi des petites pauses, plaisir et voilà, de se faire plaisir. C'est comme quand on prend la route et qu'on a un chemin de 15 heures à faire. On peut décider d'aller à 180 pendant 3 heures et au bout de 3 heures, on va être éclaté, on va être fatigué. Ou on peut décider de prendre la route, de faire une pause toutes les 2 heures et d'aller sereinement jusqu'à destination. Voilà, c'est imagé, mais ça représente bien ce que je pense. C'est une course de fond, pas un sprint. Dernier conseil, et ça sera vraiment ma conclusion, c'est écouter les bons conseils. Je sais que vous, aujourd'hui, vous vous dites « Ouais, mais pour moi, ça sera pas pareil. » C'est comme quand on sort avec un mec, toutes nos copines nous disent « Ce mec, il est pas pour toi, c'est un connard. » Et on se dit « Ouais, non, mais moi, je vais le changer. Avec moi, ça sera différent. » Bon, bah, vous savez qu'avec vous, ça sera pas différent. J'imagine que vous en avez déjà fait la meilleure expérience. Eh bien, là, c'est pareil. Écoutez les bons conseils, ça vous évitera de perdre du temps. Combien de fois j'ai pensé que telle petite pilule miracle allait m'aider? J'ai perdu de l'énergie à retourner internet en cherchant des solutions miracles, alors que la clé, c'était simplement une alimentation équilibrée, du sport, de la patience et de la persévérance. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié ces conseils, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour retrouver plein d'autres conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs.